C'était Liam, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'Aria Clan les gars, aujourd'hui pour un quiz. Voilà, je suis en compagnie de Panda, hein quoi? Panda sur l'Aria, bref ouais. Les gars, il y aura une petite vidéo, comment dire, qui va arriver très vite sur l'Aria. Soit demain, donc dimanche ou lundi, on sait pas encore, mais vraiment une vidéo déterminante pour la suite de l'Aria. Et bref, je vais pas vous spoil, mais Panda est de retour. Pour ceux qui ne le savaient pas, qu'il était parti de l'Aria, il est parti une petite semaine, tu vois, il a pris un petit congé sabbatique. Et du coup, là, il est de retour en force, bref. Donc voilà, un petit quiz. Je suis contre Monkey aujourd'hui, Panda pour poser les questions. Bonjour. Le petit intervieweur là. Bref, on va arrêter de blablater, juste pour gagner, comme d'habitude, hein, vous connaissez les bails. On va arrêter de parler, Panda, commence les questions, vas-y, let's go, on n'a pas de temps. Alors, à perdre. Il y a pas vraiment de questions, toute fraîche quoi. Quelle est la team qui a atteint les 10 000 abonnés le plus rapidement? Sigma Clan. La Sigma. Non, trop tard, Monkey, j'ai eu le point, hop. Quoi, t'es sérieux? Mais hey, ferme ta gueule, ouais, gros. T'as parlé deux secondes après, y'a rien à... Mais ta gueule, j'ai dit le S en premier. Encore, tu connais la vie des gens. On verra en montage, je m'en bats les couilles. Vas-y. En plus, ouais. C'est moi qui le fais. Alors, qui possède le World First Nuclear au C4, ce Black Ops 2? L'Octetou. Ah. Non, comment? Ah, oh, c'est un mec de l'Apex. Je sais plus, le mec qui joue avec la vie souris. L'autre là, oui, qui Black Ops 2, Black Ops 2. Black Ops 2. Tonio. Pas Black Ops 3. Bah, Tony, ouais. C'est Black Ops 2. Eh, moi je crois que c'était Black Ops 3. Ouais. Hein. Non, c'était... Ok, ok. C'est vrai qu'on plus... comme ça, Panda. Mais en fait, j'ai commencé à répondre avant la fin de la question. Faut vraiment être intéressé par la performance. Ouais, ouais. Qui possède le first nucléaire ou couteau sur IW? Angelo. Ah, sur IW? IW. IW. Ah, IW, je le calcule pas, donc bon, ça va être dur. Y'a une nuque au couteau? Bon, c'est quoi, je vais dire? C'est une vieille team qui a recommencé leur chaîne. Qui a recommencé leur chaîne? Une vieille team. Vas-y, j'ai se balancer des bails H3ZK. Ouais, c'est H3ZK. Ouah, je suis trop chaud. 3-0. C'est pas possible. Non, bah, j'ai dit au pif, hein. Je sais qu'ils avaient recommencé leur chaîne. Possède le World First double nucléaire sur Black Ops 3. World First double nuc. C'est une team. Et t'es sérieux, Panda? La Titanium Clan. Non. L'Apex. Black Ops 3, World First double nucléaire. Carnage Clan. Non, c'est type française. En gros, me dis pas que c'est une team comme la FTW, peut-être. Je sais pas. C'est qui le joueur? Bah, je sais pas. J'ai vu ça tout à l'heure sur une team. Eh ben les gars, une team emblématique. La rage. J'ai déjà dit. Ah quoi. Ouais. Ah. Ah ouais. Hein, quoi? C'est quoi ça? Non. Bon, 4-0. Alors, là, une question, il faut donner à donner. Vraiment, il faut plus d'adversité, hein, parce que bon là. Quelle team a commencé en 2013 et avant, qui est toujours, enfin qui existe toujours. Unicyclon, mais on stoppe ça. Ouais, FTW. Commencé en 2013. FTW. Ouais. FTW. Ouais. Ah, y a que ça? Ah non, c'est plusieurs teams. Ok, FTW, Obscure, Rage. 2013. Obscure date de 2013. Rage. Oui, date ouais, de. Rage. Allez, 5 € pour Talium. Oh, mais. Ouais. Fais des propositions là. Mais là, vous posez des questions gênantes aussi. T'as cru que je connaissais les réponses, moi? Alors, si tu la connais pas là, c'est une question récente quand même. Qui possède la première pète à nuque encore sur Black Ops 3? Stéphanois. Mais vas-y, t'as cru que je connaissais ça, moi? Stéphanois. Stéphanois. Aïe. Voilà, 6-0. Vas-y, t'es perfect. Qui possède la nucléaire la plus rapide sur. Sur quoi? Ouah, mais Panda, vas-y, moi c'est mon jeu d'émission. C'est le pote de Pop, c'est Philou, je crois, il s'appelle. Non, mais sur non. Ghost, on spawnera par contre. Ah, Other Gun. Ouais, 11 ou 13 secondes. Mon gigapote. Ouais. Alors, j'ai une question vraiment facile, en plus, c'est un boss qu'il a fait. Qui possède pour faire ce double nucléaire à la M16? Panda. Panda, putain. 8-0. Aïe. Qui faisait des. Comment devenir un dieu avec. 3 petits points sur Black Ops 3. L'Octetou. Avec une arme. Non. Xerox. Non. Putain, mon PC il bug, en plus je peux pas les regarder. Comment devenir un dieu? Comment devenir dieu avec? C'est un commentateur de l'Apex. Non, enfin, Bouboleur. Oh, Monkey. Non. Aïe. Je voulais mettre les 10 euros. Vas-y. Oh là là. Qui a fait la première nucléaire, la première croix nucléaire sur Black Ops 3, bêta confondu? L'Octetou. C'est Rox. Ouais.
C'est Hirox. Je sais pas, je dis des blagues comme ça, t'as compris. Aïe 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 aïe. Et les gars, franchement, je veux de l'adversité, parce que là, clairement, c'est chaud. Genre perf là, parce que là, vraiment. Oh là 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 là, 9-1, les gars, franchement, 9-1. Je sais pas si vous rendez compte. Ouais. Là, juste comme ça, la rage, elle date pas de 2013. Hein. Voilà. Mais date de. Et moins. Oh, ah, mais gros, ah, non, mais. Pourquoi on prend Monkey et des mecs perdus comme ça pour des quiz? Ouais, mais d'un coup, je connaissais tes trucs de merde là. L'autre, je sais pas quoi là. World First et tout, je suis pas player. Ah, oh, gros. Bref, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Donc voilà, lâchez le maximum de pouces bleus. On vous refera un quiz bah, d'ici la semaine prochaine, je pense, en fin de semaine. J'essaierai de trouver un adversaire meilleur parce que franchement, j'en ai marre de gagner les quiz. Je tiens à signaler que j'ai pas perdu un seul quiz depuis le début. J'avais juste perdu un 1v1 contre Panda, c'était au snipe. Non, c'était au snipe. 1v1 snipe et j'étais battu en quiz. Tu te souviens? Ça leur rageur que tu connais la vie des jeux. Ouais. Bref, on essaiera de trouver un adversaire meilleur parce que franchement, ils sont un peu tous mauvais. Hein. On va pas se vanter, ouais, mais bon, bref. Ta gueule, donc, j'espère. Attends, que ta vie. C'est qui les... Bah, non, ta gueule, Monkey, ta gueule. Laisse-moi faire montage, mon outro là. On coupe au montage, c'est bon, on coupe au montage, fini. Vas-y, dis. Bref, bref les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Lâchez le massif. Oh, maximum de pouces bleus. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne de Panda sur côté Panda Saiyan dans la description. La chaîne de Monkey aurait bien besoin, les gars. Elle a besoin de votre soutien pour monter un petit peu parce qu'il galère en ce moment. Bref, on va se laisser là, les gars. Une vidéo super importante. Soit on doit le commentary ou tout seul par Panda. Soit demain ou lundi. On verra bien suivant comment on va faire. On se laisse là, c'était tout pour nous. On vous laisse là, les peace, les gars. Ciao. Peace. Oh gros, je suis mort. Je crois que je vais vraiment la faire tout seul de ma vidéo.